Hello, bonjour. Je voudrais aujourd'hui expliquer les quatre pièges sur le chemin de l'éveil au féminin sacré. Ces quatre pièges, au début, on tombe dedans, on reste dedans, on reste prisonnier, on ne sait même pas ce qui se passe. Mais le chemin du cœur, c'est comme un fil rouge qui nous pousse par des sensations désagréables intérieures, plus ou moins fortes, à traverser tous ces pièges et à pouvoir aller vers cette réalisation, cette connexion à la puissance du féminin sacré. C'est comme un toc-toc de l'intérieur, je le dis toujours comme ça, qui est omniprésent et qui, comme on ne sait pas l'interpréter, nous fait souffrir d'une manière ou d'une autre. Et nous avons donc différentes techniques au fur et à mesure que cet éveil a lieu pour gérer ce toc-toc de l'intérieur qu'on ne comprend pas et qui est désagréable. Donc, je voudrais, ces quatre pièges vont avec quatre stades. Et je voudrais vite, rapidement les résumer ici. Ça vaudrait certainement un sujet de tout un webinaire que je pourrais donner. Mais j'avais envie ce soir, j'avais cette intuition de partager ça ici. Et j'espère que pour toi qui m'écoutes ici, c'est parlant, ça t'intéresse, ça t'aide à savoir te situer où tu es et avoir l'idée comment ça fonctionne tout ça et comment tu peux avancer et ce qu'il faut pour sortir de ce piège. Donc, ce qui se passe au début, c'est là où il n'y a pas de croissance, c'est là où ta vie stagne, c'est là où tu es prisonnière pour des tas de raisons, d'un état d'être. Par exemple, des signes qui vont faire en sorte que tu puisses te rendre compte que tu n'es pas en train de grandir, c'est tu sens ton cœur qui est vide. Parfois, le cœur qui est vide. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est, qui comprennent pas ce que ça veut dire, ils savent même pas à quoi ça ressemble, le cœur qui se remplit. Une fois qu'on sent que mon cœur est, et que le cœur est rempli, on n'a plus besoin d'expliquer. Donc, pour celles à qui ça ne parle pas, tu as l'impression que ta vie, elle est lourde, quelque chose de lourd. Tu portes tout sur tes épaules, à toi tout seul. Parfois, tu as l'impression que c'est comme ça. Tu as l'impression que personne t'aide ou que toi, tu es responsable de tout. Tu vas culpabiliser, par exemple, plus facilement. Et tu peux même, au niveau des épaules, fermer ici et avoir sentir des tensions qui se mettent vraiment, vraiment ici. Toujours, il y a des signes physiques qui vont avec tous ces stades. Donc, la vie devient lourde, tu manques d'enthousiasme, tu n'as pas d'énergie, j'ai noté ici pour ne pas oublier. Tu peux, par exemple, ne pas du tout voir un avenir qui te donne envie d'aller vers cet avenir. Tu peux, ici c'est pire, te trouver devant une sorte de mur où tu vois rien. C'est un manque aussi de connaissance de soi. Tu ne sais pas vraiment qui tu es. Tu n'as pas trouvé cette lumière, cette connexion à cette lumière intérieure. Et les conséquences de cela sont que tu vas te créer une vie compliquée. Parce que tu ne sais pas mettre tes limites, tu ne sais pas dire, voilà, moi, c'est ça ma vérité et j'ai droit à ma vérité et elle est valable comme la tienne. Et ça, ce sont les limites et je les affirme. Tu vas peut-être rentrer par faiblesse dans une lutte où tu vas tout le temps te défendre au lieu d'affirmer et dire je suis ancrée dans ma vérité et c'est cette vérité que je veux porter dans le monde. Tu ne vas pas parler comme ça, tu vas peut-être vraiment te défendre. La conséquence de ce stade-là va être par exemple aussi que tu ne vas pas faire de sport puisque tu n'as pas d'énergie, tu vas mal te nourrir parce que pour compenser le stress, tu vas trouver soit des addictions à la nourriture, soit d'autres addictions graves ou moins graves comme la cigarette ou plus graves que ça. Tu vas aussi peut-être être déjà sous influence des médicaments, parce que on t'a donné des trucs contre la dépression, parce que tu dors pas, etc. Donc chimiquement, ton corps va pas vibrer dans sa plus haute vibration. Les médicaments vont
aider à faire quelque chose, mais c'est une, comme une béquille. Donc, tu as peut-être de ce genre de béquille comme des addictions et des médicaments. Et donc, ça peut venir évidemment des traumatismes que tu as eus, des blessures que tu as eues, et ceux-là ne sont pas guéris. Donc, tout ça, ça fait une sorte de melting pot d'une situation. Beaucoup de personnes se trouvent là-dedans. Et comme le chemin du cœur, comme j'ai dit, le cœur reste vide dans une situation pareille. Souvent, tu fais un travail qui ne te dit rien, où tu dis, OK, j'ai gagné de l'argent, je gagne ma vie, mais en fait, je ne suis pas du tout passionnée par ce que je fais, j'y vais. Idéalement, tu aimes encore bien tes collègues, tu aimes peut-être bien ton travail, mais en réalité, tu te dis, si je pouvais choisir, je ferais autre chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un seuil de souffrance, ça crée un truc, ça crée quelque chose où tu n'es pas vraiment heureuse en fait, et tu le sais. Et pour ne, si tu ne vois pas d'issue à cela, le premier piège va être que tu vas faire tout pour oublier que tu n'es pas vraiment à ta bonne place et tu vas aussi te distraire. Et les distractions nous sommes offertes par tous les moyens. La télévision est une des toutes premières. Si je peux donner un conseil, arrête la télévision. Et je suis sérieuse avec ça. Je ne regarde plus la télévision depuis 20 ans et je ne vois pas pourquoi je regarderais. Je veux choisir les films que je regarde et je ne regarde pas les nouvelles non plus parce que ce sont toujours les mauvaises nouvelles. Je veux les bonnes nouvelles. Donc, le piège, c'est de faire tout pour oublier donc les addictions, les distractions et se distraire comme on peut. Ça, c'est un piège dans lequel, si tu tombes dedans, il va évidemment juste faire que tu supportes l'insupportable. Après ça, tu as le deuxième stade. Donc ici, tu n'as pas de croissance. Développement personnel est à zéro parce que tu es dans une zone qui tient. Quand la souffrance devient trop grande, souvent les gens, ils ont un brown out ou un burn out, donc le seuil de souffrance ou même carrément les maladies devient trop élevé et c'est fait par merveille comme ça dans la vie. C'est comme un wake up call. À ce moment-là, tu vas commencer à chercher à comprendre. Ça, c'est le prochain stade. Chercher à comprendre. Pourquoi je ne suis pas heureuse? Tout est parfait. Pourquoi quand même je ne suis pas heureuse? Et quand tu es là-dedans, chercher à comprendre, tu vas te lancer dans des formations à plus finir. Ouais? Et tu vas avoir l'illusion d'une croissance. C'est l'illusion d'une croissance. C'est simplement tu vas bourrer ton crâne à savoir des choses. Et il y en a plein qui sont de nouveau piégés là-dedans. Et faire des formations et jamais croire qu'elles sont assez pour en faire quoi que ce soit. Donc, elles ont peut-être accumulé des tonnes de diplômes, mais elles n'ont jamais rien fait avec ça. Donc, le piège là-dedans, c'est de se dire, je veux comprendre et de rester des années dans le fait de vouloir comprendre, toujours pas avancer et faire des formations. Le problème là-dedans, c'est pas d'action. Une fois que tu te dis, tiens, et ça crée de nouveau une sorte de pression intérieure parce que la souffrance peut-être plus parce que tu as trouvé quelque chose pour commencer à comprendre, tu fais passer 20 ans là-dedans, tu as une pression, tu te sens un peu coupable de rien faire avec tous ces diplômes et tu te sens quand même un peu bloqué. Donc ça, c'est de nouveau ce toc-toc de l'intérieur qui dit avance. Et là maintenant, quand tu vas faire toutes ces formations que tu as prises, tu vas commencer à aider ceux qui sont dans le stade 1 et 2. Donc là, tu es dans le stade 3 du genre, tu vas commencer à les aider. Peut-être que tu fais ça juste parce qu'on te demande conseil. Écoute, toi, tu as fait tellement de formations, ou naturellement, peut-être même de trop, tu vas vouloir missionner des gens. Mais en tous les cas, tu commences à changer quelque chose, tu commences à prendre des actions. Et accepter de... Tu vas à ce moment-là aider les autres, mais aussi... Pardon, je me suis trompée. Non, alors, donc ici, ce n'est pas encore ça. Donc, tu es dans le stade, je sais ce qu'est un stade, ce n'est pas bien ça. Tu as le stade 2 où tu cherches à comprendre et le stade 3 où tu cherches de l'aide. Tu cherches de l'aide parce que tu te rends compte que tu fais toutes ces formations, mais tu t'en sors toujours pas et tu restes bloqué et tu n'avances, tu sens que tu n'avances pas. Donc là, tu vas commencer à chercher l'aide d'une manière ou d'une autre, que ce soit un groupe d'aide, un groupe de parole, un psychologue, que ce soit un coach, quelqu'un, une amie, quelqu'un que tu sens va pouvoir m'aider. Accepter de l'aide fait partie de ce stade aussi. Souvent, on se dit, je sais faire tout toute seule, je suis intelligente, je peux tout apprendre. Mais à un moment donné, tu te dis, tiens, mais j'avance quand même pas. Et donc, tu acceptes que quelqu'un peut t'aider.
Et tu mets donc des actions avec cette aide. Finalement, tu vas commencer à mettre des actions en place. Et c'est là que le changement va commencer. C'est là que tu vas avoir une croissance personnelle lente, plus ou moins. En tout cas, plus rapide. Plus, enfin, elle se met en route parce qu'avant, c'était une illusion de croissance. Ici, elle va commencer à avoir vraiment lieu avec les actions. Et une fois que tu as cette croissance qui se met en route, le prochain piège, c'est la peur du changement. La peur du changement qui va te remettre éventuellement de nouveau dans les deux stades, hein, premier, deuxième stade ou premier stade, parce que la peur du changement fait en sorte, cette fameuse zone de confort, fait en sorte qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce que je pourrais faire. Et le dernier stade qui est extensible, c'est le stade justement où tu te dis, ok, j'ai appris les choses, j'ai avancé un tout petit peu moi-même et donc maintenant je vais aider les autres. Et donc, ce que j'ai dit là tout à l'heure, tu vas commencer à aider les autres de sortir des 1, 2, 3 stades avant et d'aller plus loin. Donc, tu n'as pas besoin à ce moment-là forcément d'être allé beaucoup plus loin. Tu vas simplement recommander des trucs que toi, tu as fait. Écoute, j'ai lu ce livre. Écoute, j'ai fait cette formation. Écoute, j'ai fait cette cure pour aller mieux. Et simplement, les autres vont aussi te voir comme référence et vont commencer à te poser des questions. Et ce moment-là, tu les aides. Et tout doucement, tu rentres dans ce quatrième stade où la croissance personnelle s'accélère, où il y a vraiment l'éveil qui commence à avoir lieu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vas aider les autres. Peut-être après ça, tu vas commencer à guider les autres. Après ça, inspirer les autres et après vraiment être un visionnaire, avoir les visions de ce que tu veux faire de ta vie, ce que tu veux entreprendre. La plupart du temps, à ce moment-là, tu deviens vraiment quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose et avoir changer quelque chose dans ce monde, d'avoir pas une importance, mais d'avoir une influence dans ce monde. Et ça, c'est un éveil qui est absolument un chemin d'éveil que je témoigne tout le temps chez les femmes avec qui je travaille. Elles sortent de ces différentes zones et quand elles arrivent dans la zone numéro 4, elles sentent quelque chose qui s'accélère, qui grandit, une passion, une capacité, une confiance en soi. Et elles vont donc à ce moment-là se dire, tiens, ça m'appelle maintenant, ça m'appelle. Et ce qui se passe dans cette quatrième zone, c'est que tu prends conscience dans cet éveil que tu n'es pas seul là-dedans. Tu as les synchronicités qui apparaissent et tu as comme si l'univers, il t'accompagnait tout le temps là-dedans. Mais là, tu prends conscience que ça a vraiment lieu. Même en regardant en arrière, tu peux voir que l'univers, Dieu ou les anges ou n'importe comment tu appelles ça, était toujours là. Et tu vas commencer à faire confiance de plus en plus à ton intuition et tu vas aussi à la fin prendre la responsabilité de guider les autres. Le piège, là il y a à nouveau un piège et ce piège est la peur de la brillance, la peur du succès. Et ça, c'est la plus grande peur. Et donc, j'espère que tu sais maintenant dans quelle étape tu es, tu sais qu'est-ce qui peut te faire passer à l'étape suivante. Et je vais le spécifier dans la newsletter que je vais écrire aujourd'hui ou demain, ce schéma. Et une fois qu'on comprend ça, on peut situer où on est. Moi, maintenant, je le vois tellement clairement parce que j'ai traversé tous ces stades et je suis donc dans le stade 4 avec tous les challenges que ça représente. Mais c'est exactement ça que je vis. Et ce qui se passe avec le cœur, à ce stade-là, le cœur se remplit. Et comme je dis, mes 30 ans de travail que je faisais avant pour un travail qui ne me remplissait pas mon cœur, ça fait un an que je fais un travail qui me remplit mon cœur tous les jours. Et si je dois mourir demain, je sais qu'est-ce que je vais emporter. Bien sûr, je ne parle pas de ma famille, de mes enfants, ça bien sûr. Mais je parle vraiment de cet épanouissement et ce développement personnel que je souhaite à chacune qui m'écoute ici. Et donc, j'espère que ça te parle et que tu puisses appliquer ça. Si ça t'intéresse vraiment de travailler sur cette connexion au féminin sacré, à ce moment-là, je t'invite à t'inscrire à ma mailing list parce que j'en parle tout le temps et tous mes outils tendent à aider les femmes à faire ce chemin-là et à arriver à ce stade-là où la vie devient vraiment autre chose. Je te souhaite une très belle journée, soirée, selon quand tu écoutes ou tu vois cette vidéo.
Bye bye.